Bonjour à tous. Prendre la météo de l'investissement, c'est aussi l'un des enjeux traditionnels du MIPI, mais ça tombe bien. J'ai un investisseur à mes côtés sur ce plateau, Marc Bertrand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de La Française. Alors, vous êtes un habitué du MIPIM, je crois. C'est la 30e cette année. Est-ce qu'il y a un état d'esprit? Est-ce que vous ressentez, en discutant avec vos confrères, une ambiance particulière? Alors, pas ressenti d'ambiance particulière. C'est d'ailleurs un peu court encore dans la semaine pour le faire. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est d'aller visiter les stands de Londres et de Paris avec une dynamique entre les deux grandes agglomérations, entre les deux grandes villes-monde de notre chère Europe. Avec clairement, peut-être pas pour la première fois, mais en tout cas cette année, un net avantage d'activité à l'attente de Paris et une effervescence qui est très significative de dans ce qui se passe dans le Grand Paris. En plus cette semaine. Voilà, alors c'est très accentué par le contexte très particulier de la semaine, mais ça m'a frappé plus que les autres années. Parfait. Alors parlons un petit peu de La Française. Votre groupe est très présent à l'international. Quelles sont vos ambitions et vos stratégies sur l'international? Alors, nous avons commencé il y a quelques années de diversifier nos investissements à l'international, c'est-à-dire d'emmener nos clients traditionnels français à l'international, singulièrement les SCPI. Aujourd'hui, c'est une stratégie qui est bien enclenchée, qui marche bien, qui rencontre du succès, notamment les investissements en Allemagne, Benelux. Donc on appuie là-dessus et on collecte bien dans les SCPI et donc conséquemment on investit beaucoup. Ça, c'est la première volée de la stratégie. Donc il est en phase de déploiement, mais rien de nouveau et on continue, on appuie sur l'accélérateur. La deuxième phase, c'est plutôt là d'internationaliser nos investisseurs en leur proposant non pas des fonds, mais beaucoup plus une approche deal par deal, une approche de mandat que de fonds. Et là, c'est d'attirer des investisseurs internationaux et on a marqué des points beaucoup avec les investisseurs coréens, plus récemment avec des Canadiens, donc pour les amener à investir sur le marché français. D'accord. Et ça, c'est en plein développement. C'est un axe fort qu'on continue de développer. Alors justement, on parlait du Canada, votre groupe La Française et l'Office d'investissement du régime de pension du Canada ont annoncé récemment un partenariat stratégique. Je crois qu'il y a le développement d'une foncière, la société foncière immobilière du Grand Paris. Est-ce que vous pouvez nous en donner là encore quelques détails et puis quelle serait la feuille de route de ce partenariat stratégique? Alors, nous avons effectivement noué ce partenariat stratégique avec ce grand fonds de pension canadien. L'idée est clairement de concrétiser ce positionnement qu'on a eu depuis pas mal d'années sur le Grand Paris, où on croit très fortement à ce projet et comme un facteur d'attraction pour les investisseurs étrangers. Je parlais du match entre Londres et Paris. On revient sur l'introduction. Voilà, ça boucle la boucle. Donc ces investisseurs-là, aujourd'hui, sont capables de voir dans Paris un gisement d'investissement. Je crois que c'est assez simple. Quand vous avez un monde dans lequel il n'y a plus beaucoup d'inflation et les taux n'iront pas beaucoup plus loin à la baisse, même si visiblement ils vont rester bas, il faut extraire la valeur de l'amélioration de l'urbanisme, de l'asset management, de l'évolution de la ville. Dans ce cadre-là, le Grand Paris et l'ensemble des projets qu'il compose sont un bac à sable, je dirais, un terrain de jeu fantastique. Et ça nous permet donc de c'est une grille de lecture qui nous permet de guider les investissements. Et ça, les investisseurs, les grands investisseurs qui se projettent dans le long terme sont prêts à prendre des risques sur ce type. L'ont compris, sont prêts à prendre des risques. Alors, c'est un double challenge d'aller pour nous sur des nouveaux investisseurs. Les Canadiens, nous n'avions pas de clients canadiens avant CPPIB. Et le deuxième challenge, c'est finalement d'être dans une logique de développement foncier qui n'était pas notre terrain de jeu favori, puisqu'on était plutôt sur des investissements core plus pour des investisseurs domestiques. Donc des challenges qui vont vous occuper dans ces prochains mois. On va voir les prochaines années, voir la prochaine décennie. Il y a de quoi s'occuper. Il y aura quelques MIPIM pour en reparler. Merci Marc Bertrand pour être venu sur ce plateau ici au MIPIM à Cannes. Bon MIPIM à vous. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.